Une expérience unique, une rencontre entre deux mondes. Quand l'électro-rock des Cold Silvers s'associe à l'orchestre philharmonique de Strasbourg, cela donne naissance à un mélange musical hybride et surprenant. Et tout, donc c'est un peu comme l'année dernière, vous faites, je pense que le mieux c'est que vous sortiez une oreille pour avoir, toujours avoir un peu le clic, mais l'idée c'est que... L'heure est à la dernière répétition ce matin au Conservatoire de Strasbourg, avant de se produire sur scène mercredi soir à la laiterie. Chacun doit prendre ses marques, mais oui, on y arrive. Parce que la musique, c'est une chose. As we walk into the land, with our eyes fixed on the sun. C'est plaisant avant tout, c'est la joie, c'est la fête. C'est fait avec sérieux, mais c'est quelque chose de peut-être un peu plus festif que les concerts plus figés de musique purement classique. Avec plusieurs albums et des tournées internationales au compteur, les Cold Silvers font partie des groupes les plus influents de Strasbourg. Jouer avec un orchestre était un rêve, aujourd'hui réalisé, mais qui demande une grande préparation pour la prestation scénique. Avec le groupe, on a l'habitude d'être 4, donc voilà, ça va. Mais là, on est environ 25, donc il y a une plus de rigueur. Et donc, on est vraiment obligé de jouer avec ça et casser un peu les codes théoriques. C'est très impressionnant. Franchement, c'est très flippant. Et une fois qu'on est porté par les cordes, ça décuple vraiment les sens. Et on est vraiment porté par ça et par l'énergie que procurent en fait les cordes et les vents en général. Déjà réunis l'année dernière pour un concert au Jardin des Deux Rives, cette formation va faire danser la laiterie demain soir à 20h. Pour un mélange des genres qui promet.